Salut c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des pourquoi investir dans, euh, dans une location courte durée. Récemment je viens de faire une vidéo sur, euh, voilà, donc sur la définition, je vous ai défini euh, la location courte durée pour des personnes qui ne savaient pas trop ce que cela signifiait. Bah, grâce à cette vidéo, vous avez une bonne définition là-dessus. Je vous conseille de le consulter qui est sur cette chaîne parce que je viens de le publier il y a vraiment il n'y a que quelques jours. Aujourd'hui, le principal sujet de cette vidéo c'est les avantages et les inconvénients d'une location à courte durée parce que si vous voulez vous lancer justement dans les locatif, il vous sera très important dès commencer par savoir quels sont les points forts de ce type d'investissement et quelles sont euh, les éventuelles contraintes pour que vous puissiez éviter dès le départ les pièges qui seront susceptibles de vous tirer vers le bas mais avant d'en parler je vous conseille de vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait vous activez la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas pour que vous soyez tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées après celle-ci sur cette chaîne portant sur l'immobilier et sur la création d'entreprise. Donc abonne-toi pour t'apporter davantage de la valeur ajoutée et je te conseille de noter tout ce qui te paraîtra très utile au travers de cette vidéo pour que cela te, te serve vraiment de, de source d'approvisionnement après avoir bien sûr mis tout en marche pour lancer ton projet d'investissement immobilier. Là, je vais quand même redéfinir à nouveau une location en courte durée. Comme ça, voilà, ça permettra quand même à ceux qui n'ont pas eu le temps de voir la, 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 la précédente vidéo de savoir ce que c'est exactement une location courte durée avant d'entamer les avantages. Rapidement, je te dis que la location courte durée, c'est défini comme l'effet de mettre en location un logement meublé pour des périodes courtes. En effet, c'est une location saisonnière ou touristique mis au profit d'une clientèle de passage dans un lieu bien précis. Donc là, la définition elle, est, elle a été euh, bien faite et clôturée. Là, nous allons maintenant parler des avantages donc de pourquoi investir dans une location courte durée. Autrement dit, les avantages et les, et les inconvénients. Pour parler des avantages justement. En, premier, en première position, nous avons une source de revenus complémentaire si vous disposez déjà donc euh, si euh, vous disposez déjà euh, d'un rentier en location, si vous êtes déjà rentier en location courte durée, vous avez d'autres types d'investissements immobiliers. Cela com euh, complétera surtout votre revenu. C'est une source de revenus à courte durée tout simplement. Et euh, donc euh, et qui ne souhaiterait pas augmenter ses revenus Si vous voulez augmenter vos revenus, alors vous êtes en train de regarder la bonne vidéo et surtout si, si c'est avec l'immobilier, hein, c'est vraiment une bonne chose parce que c'est l'un des investissements qui figure vraiment au sommet du pyramide comme j'ai l'habitude de le dire. L'allocation saisonnière est une bonne affaire du moment qu'elle est lucrative, en particulier si votre logement bénéficie d'un bon emplacement. L'emplacement, la localisation est très important. Pour avoir une bonne rentabilité, vous vous doutez bien que si vous achetez un appartement qui, euh, qui est vraiment euh, qui est très bien, d'accord, dans l'état est pratiquement irréprochable si vous avez investi dans un quartier où personne n'a envie de devenir louer à part des personnes euh, bon excusez-moi le terme défavorisé financièrement, bah on est bien d'accord que vous n'aurez pas la rentabilité expérée. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est très important d'investir dans des bons endroits et dans des bons biens immobiliers, donc d'accord, pour s'attendre vraiment à une bonne rentabilité. La source de revenus complémentaires, c'est le premier avantage. La location saisonnière est une bonne affaire, du moins qu'elle est lucrative, en particulier si les logements bénéficient d'un euh, bon emplacement. Bon Deuxième avantage... De la location courte durée, nous avons une bonne rentabilité. Si vous êtes situé dans une zone géographique populaire et demandée, vous aurez des bonnes, euh, des bonnes possibilités de rentabiliser votre logement. En effet, plus votre votre ville est dynamique, plus cela vous permettra d'obtenir une plus grande clientèle. De même, avec un bon marketing de votre logement, votre investissement dégagera un cash flow positif vous pouvez par exemple augmenter votre visibilité euh, à travers la mise euh, la mise en ligne de votre offre de logement par des agences en ligne d'accord des agences immobilières les réseaux les propriétaires voilà les blogs les sites internet les sites d'annonces immobilières etc pour augmenter la rentabilité et avoir davantage euh, des gens qui viendront vous louer votre bien notamment les touristes les étudiants et les personnes qui travaillent par exemple euh, à plusieurs kilomètres de leur euh, de leur domicile et qui ont au final besoin de se loger voilà près, près de leur euh, de leur travail. Alors, troisième avantage, c'est de ne pas laisser son logement vide. Vous disposez d'une résidence secondaire, la mettre en location saisonnière vous permettra de faire vivre votre logement. Ainsi, il pourra être entretenu à, donc, euh, en votre absence. Ça, c'est aussi très important. Et un autre avantage, c'est de pouvoir profiter de so, des son logement. Qu'est-ce que je vais exactement te dire dans une location courte durée de profiter de son logement. L'immobilier saisonnière a l'avantage de permettre aux propriétaires de disposer d'une résidence secondaire. A cet effet, vous pouvez profiter des locaux quand ils sont libres d'occupation. C'est là donc, c'est là et d'autant plus avantageux si votre bien est situé dans une zone balnéaire ou sur une zone ski. Vous voyez bien ce que je veux dire. Donc euh, voilà pour euh, les touristes encore une fois et les personnes intéressées par ces, ces genres d'activités. Les remboursements rapides des son prêts immobiliers figurent aussi parmi les raisons pour lesquelles vous qui regardez cette vidéo, vous devez énormément vous intéresser par l'immobilier euh, locatif, donc l'immobilier courte durée plus précisément. Le remboursement rapide des sons prêts immobiliers, dans les cas d'un prêt immobilier contracté pour financer votre bien immobilier, les louer vous permettra, donc vous permet de récupérer progressivement l'argent nécessaire au remboursement. Ainsi, plutôt que d'achever vos remboursements sur une longue période, vous pourrez le faire à courte échéance. De plus, donc de plus, outre la possibilité d'avoir les fonds nécessaires, vous pourrez jouir de votre bien pendant les périodes où il est Inoccupé, comme je viens de le dire dans la, la vidéo précédemment, que si vous louez votre bien immobilier à courte durée, au moment que voilà, donc pendant qu'il n'y a personne qui occupe votre maison, vous pouvez profiter de votre bien pendant quelques semaines et dès que quelqu'un se présente pour le louer, bah vous libérez le bien pour qu'il vous rapporte de l'argent. Autrement dit, donc vous pouvez euh, y habiter pendant les périodes où ils sont inoccupés. Autrement dit, vous le louerez durant la, sa la saison bien sûr et l'utiliserez pour votre usage personnel pendant vos vacances par exemple. Notez également que la location saisonnière est un bon argument lors de la présentation du dossier du prêt immobilier. La banque sera plutôt prête à vous accorder du crédit. À mesure qu'elle s'assurera dès la bonne rentabilité de votre bien. En particulier, cette euh, cette rentabilité justement sera en fonction de la grande attractivité de la zone d'emplacement. Un autre avantage, euh, bon, un autre avantage déjà d'investir dans l'immobilier, euh, va voilà, donc dans locatif à courte durée, c'est les moins de risques d'impayés. Si les risques des vacances. Et d'impayés surviennent dans la location, voilà donc euh, dans la location euh, immobilière euh, à courte durée, vous n'aurez pas des craintes ici. En, donc en effet, hein, bien sûr, en effet, euh, les risques d'impayés sont presque nuls pour euh, la courte, la location à courte durée. Vous n'avez pas à vous demander si vous aurez un bon payeur, car vos services sont urgents pour la période et les locataires bien souvent règlent leur dû parfois, voilà, donc ils vont vous le payer. Euh, très souvent, ils le payent avant même, ils payent la totalité avant de pouvoir... Euh euh, avant, juste au moment où ils sont en train d'occuper le logement, donc s'il va rester une semaine, bah, il va le payer, ça dépend de comment vous, vous les facturez, si c'est par jour, si c'est par semaine, enfin bref, euh, ça dépendra, mais très souvent ils sont obligés de le payer avant. Euh, voilà, dès lors qu'ils occupent la maison. Pour être plus plus rassuré, vous pouvez exiger les paiements avant l'installation du locataire, justement, c'est là, vous, écharge, vous déchargera de ces fardeaux. La fiscalité intéressante est aussi un grand avantage euh, lorsqu'on parle de l'immobilier. Euh, courte durée. Donc la, euh, donc parlons, euh, parlons de fiscalité, la location saisonnière est soumise à une réglementation fiscale particulièrement avantageuse. Puisqu'il s'agit de la location meublée, il est soumise au statut LMNP, au micro, donc euh, au régime microfoncier ou au régime réel, selon les conditions qu'elle remplit. En revanche, pour bénéficier d'autres avantages fiscaux, vous devez à tout prix déclarer les loyers que vous percevez dans le but de bénéficier de l'impôt sur le revenu notez cependant que la location meublée même hors statut professionnel rentre bien sûr rentre bien sûr dans la catégorie d'activité commerciale par conséquent tous les profits sont enregistrés comme des bénéfices industriels et commerciaux Raison bien sûr pour laquelle vous devez vous informer donc euh, toute la fiscalité immobilière avant de vous lancer dans cette aventure. Parlons maintenant dans cette partie de la vidéo des inconvénients d'une location courte durée parce que si on devait seulement parler des atouts sans pour autant aborder les contraintes même rapidement ça serait trop beau pour être vrai. L'immobilier certes est un bon euh, bon type d'investissement mais il y a quand même des contraintes et il faut les connaître pour euh, prendre toutes les précautions nécessaires. En dépit de ses nombreux avantages, la location touristique présente quelques inconvénients au titre desquels l'on peut citer. L'on peut citer bien sûr une gestion plus importante. Voilà donc vous avez euh, une gestion qui est assez lourde. Louer un bien immobilier en courte durée demande une plus grande gestion des locaux. Étant donné que les gens ne sont pas des passages, vous devez veiller à ce que les choses soient en bon état. À leur départ ils arrivent que certains certains locataires laissent le logement en mauvais état et vous devrez effectuer les réparations nécessaires pour remettre votre bien immobilier dans un état voilà donc plutôt neuf et on a aussi un autre un autre inconvénient c'est que la délégation de la gestion locative la délégation de la gestion locative de plus si vous donc si vous n'êtes pas sur place vous serez amené à déléguer la gestion de votre bien immobilier via donc euh, voilà donc euh, par des agences immobilières pour ce faire vous devrez vous devrez donc engager un gestionnaire immobilier qui se chargera de gérer les entrées et toutes les sorties et surtout veiller à la bonne tenue de votre bien immobilier. Cette action peut également vous faire payer des frais supplémentaires vu que, voilà, donc, vu que ces gestionnaires vous, sera, euh, vous sera, donc, euh, sera à votre charge. Un autre inconvénient et le dernier d'ailleurs des euh, l'allocation courte durée c'est que les ch les, euh, les changements réglementaires est obligés et les obligations du propriétaire peuvent parfois rendre ces types d'investissements euh, beaucoup moins intéressants. L'allocation d'un bien immobilier pour, euh, donc à courte durée exige une déclaration auprès de la mairie. Dès même, si vous devez mettre à jour les informations fournies en cas de changement et vous acquitter vous régulièrement de vos taxes et impôts, il faut à tout prix vous déclarer auprès de la mairie avant de faire quoi que ce soit. Notez bien que des taxes des séjours peuvent être demandées dans certaines, euh, certaines localités et les verser par les locataires pour la commune ou les départements, ce qui signifie que vous devrez intégrer et mentionner surtout dans vos tarifs voilà donc, euh, toutes les informations relatives à la location de votre bien immobilier à courte durée. En général, elles varient entre 0,20% euros et 1,50 euros par personne et par nuitée selon les classements du logement. Vous êtes responsable du logement et vous êtes tenu de veiller à ce que les locataires, en, en tout cas tous les locataires, disposent des tout euh, donc euh, de tout le nécessaire. Vous devez également veiller à ce que à ce que ces gens-là, ces derniers, soient en sécurité. Là c'était les inconvénients et les avantages surtout de pouvoir euh, voilà donc euh, de vouloir investir dans l'immobilier locatif à courte durée. Mais non c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu connais un avantage qui pourrait être partagé pour que voilà donc euh, j'en fasse bénéficier à la grande communauté d'investisseurs immobiliers qui veulent se lancer, qui sont motivés de réussir dans ce type d'investissement. Je ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donnerai plus de précisions. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous conseille de vous abonner tout de suite parce que ça sera bénéfique pour vous en termes euh, d'apport de connaissances. Vous aurez des contenus de qualité gratuitement comme celui-ci dans lesquels euh, je de pouvoir vous partager en tout cas les informations sur l'immobilier en général, euh, voilà donc euh, sur l'investissement général et sur l'immobilier en particulier. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous en activant la cloche de notifi notification pour ne rien rater. Portez-vous bien. Ciao, ciao.